La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger a présenté à Rabat la 4e édition de l'ouvrage intitulé « Marocains de l'extérieur 2017 » en présence de personnalités du monde de l'art et de la culture. Cette nouvelle publication a pour but de cerner les changements et les évolutions au rythme desquels vit la communauté marocaine partout dans le monde, dans l'optique de l'accompagner pour faire face aux difficultés vécues dans les pays d'accueil. Quand il y a eu des attentats terroristes. L'objectif principal, c'est la connaissance intime de la communauté marocaine à l'étranger, dans les différents pays où elle se trouve, au niveau de son vécu quotidien, de ses problèmes, de ses évolutions, comment elle évolue dans le temps. Et ceci permet donc à la Fondation d'avoir une connaissance assez précise des problèmes et du quotidien de ces communautés pour pouvoir les accompagner. Parmi les thèmes traités, on trouve la vieillesse en émigration, la migration féminine, la migration et le développement local et régional, l'enseignement de la langue et de la culture d'origine, le renouveau religieux et les productions culturelles et artistiques. Il m'a beaucoup appris.